Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur le plateau d'En Société, votre magazine de reportages et témoignages tous les dimanches soirs, 18h40 sur France 5. En Société, consacré ce soir au drame qui se joue sous nos yeux en Israël et dans la bande de Gaza depuis ce samedi 7 octobre, qui restera gravé dans l'histoire de cette guerre sans fin au Proche-Orient et qui dépasse tout ce que la région avait connu jusqu'ici. Voici le sommaire de cette émission spéciale. Nous avons passé les jours d'après en Israël. Ceux qui ont suivi ce 7 octobre, jour le plus noir du pays depuis sa création. Nous y avons rencontré ceux qui pleurent leurs disparus, ceux qui attendent dans l'angoisse des nouvelles des otages retenus par le Hamas ou encore ceux qui ont la lourde tâche d'aller chercher les corps des morts dans les kibboutz attaqués. Nous vous emmènerons aussi de l'autre côté de la frontière, dans cette bande de Gaza qui se retrouve sous un déluge de feu. Plus de 2 millions de civils pris au piège et parmi eux, Omar, un jeune architecte qui a réussi à nous faire parvenir les images de son quotidien sous les bombes, sans abri pour se protéger et surtout sans possibilité de quitter la bande de Gaza. Gaza, un micro-territoire sur lequel le Hamas règne donc sans partage. Nous allons revenir ce soir sur les origines du mouvement islamiste palestinien, sa création dans les années 80, sa rivalité féroce avec l'autorité palestinienne de Yasser Arafat, mais aussi ses liens troubles, ses liaisons dangereuses avec Israël. Et puis comme à chaque embrasement du Proche-Orient, notre société, la société française, est-elle aussi mise au défi de la tolérance, de l'unité et de la cohésion entre des communautés qui se reconnaissent dans l'un ou l'autre des protagonistes. La rabbin Delphine Horviller et l'islamologue Rachid Benzine ont entamé un dialogue il y a plusieurs années pour rassembler au lieu de diviser. Aujourd'hui, ce dialogue est menacé, mais il est vital et ils le poursuivront ce soir sur ce plateau. Vous êtes en société et c'est parti. En société, merci infiniment d'être avec nous en direct et en public jusqu'à 19h50. Je laisserai la place ensuite à Thomas Negaroff pour ses politiques consacrées à une autre actualité dramatique de la semaine, l'assassinat vendredi à Arras d'un professeur de français, Dominique Bernard, quasiment 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Où en est la menace islamiste en France, Thomas Negaroff, donc à partir de 20h. Mais d'abord, donc, une émission spéciale, 8 jours après ce 7 octobre 2023 qui a fait basculer le conflit israélo-palestinien, en réalité plus que centenaire, dans une toute autre dimension. Pour m'accompagner ce soir, deux grands spécialistes de la région, un historien et un journaliste, Vincent Lemire et Benjamin Barthes. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Soyez les bienvenus, merci infiniment d'être avec nous. Vincent Lemire, historien, notamment spécialiste de Jérusalem. Vous avez vécu plusieurs années en tant que directeur du Centre de recherche français. Vous avez beaucoup d'amis là-bas, je disais des deux côtés. Vous qui êtes rentré à Paris il y a 6 semaines seulement et vous êtes aujourd'hui enseignant à l'université Gustave Eiffel en région parisienne. Benjamin Barthes, merci également d'être là, rédacteur en chef adjoint du service étranger au journal Le Monde, mais surtout grand spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez vécu près de 20 ans là-bas, dont une petite dizaine d'années à Ramallah. En Cisjordanie. On s'est vu lundi soir, Vincent Lemire, dans une autre émission, et on essayait collectivement de nommer ce qui se passait, de trouver les mots justes. Vous n'arriviez pas à en poser à ce moment-là. Est-ce qu'une semaine après, vous arrivez à nommer ce qui s'est passé, à penser les choses ? Oui, il faut bien. Il faut bien qu'on arrive à avancer, à progresser. L'enjeu, c'est d'arriver à sortir de ce... de cette espèce de faux débat terrorisme versus acte de guerre ou acte politique. Qui est un débat paresseux, vous dites ? Oui, c'est un débat paresseux, c'est exactement ça. Je considère que ça devrait être le tout début de la conversation et qu'ensuite, il faudrait pouvoir avancer. De mon point de vue, c'est un acte terroriste, c'est un acte de guerre et c'est un acte politique. Et c'est pas un petit peu tout ça, les trois curseurs sont poussés à bloc. Et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à réfléchir. Et il faut réussir à dire les trois choses dans une même phrase. Il faut arriver à dire les trois choses dans une même phrase. Puis la deuxième chose que je voulais dire juste en ouverture, c'est formidable qu'on ait Delphine Horviller et Rachid Benzine après. Mais je voulais juste dire qu'effectivement, la difficulté, c'est un petit peu que depuis une semaine, on a l'impression qu'il y a ceux qui pleurent et ceux qui réfléchissent. Alors, il y a des gens dont la fonction, effectivement, est de prier ou de chanter ou de... Voilà. Il y a ceux dont la fonction est d'éclairer, d'informer, d'analyser, mais ça ne veut pas dire que voilà, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion. On a énormément d'amis, etc. On peut réfléchir et pleurer en même temps. Je pense qu'il faut faire les deux en ce moment, alternativement, comme d'ailleurs après tout grand choc, parce que si on entrave le cœur et la raison, il nous reste le ventre, c'est-à-dire la rage et la sidération, et là, ça devient très très dangereux. Benjamin Barthes, est-ce que vous partagez ce qui est dit par Vincent Lemire ? Est-ce que vous réussissez à nommer les choses depuis une semaine ? Écoutez, notre travail, nous, en tant que journalistes, c'est d'essayer de décrire l'actualité, d'essayer
De mettre des mots, justement. De mettre des mots, de faire parler les protagonistes de cette crise. Je crois qu'on vit un moment paroxystique du conflit. Mais c'est un moment d'un conflit qui dure depuis 100 ans, fondamentalement. Donc moi, personnellement, il y a eu un moment d'écœurement absolu devant cette espèce d'orgie de violence qui éclabousse nos écrans depuis une semaine. Les écrans de télé, les écrans de téléphone portable, etc. Des deux côtés. Une hécatombe sans nom côté israélien, un carnage sans nom à Gaza. Et puis le deuxième sentiment, après l'écœurement, je dirais que c'est l'accablement. Je dirais que c'est l'accablement parce que tout cela était évitable. Parce que tout cela était évitable. Nous autres journalistes, chercheurs, diplomates de terrain, tout le monde a dit depuis, on va faire remonter le curseur à 2007, le début du blocus. Mais je pense qu'à un moment, il faudra raconter que le blocus n'a pas véritablement commencé à 2007. Le blocus, la logique du blocus, elle commence bien avant. Mais tout le monde a dit que ça finira par arriver, en tout cas. Voilà. Le statu quo n'est pas tenable. Tout le monde le disait. Mais c'était devenu une espèce de leitmotiv. Hein. Voilà. Et quelque part, cette mise en garde, c'est perdu. C'est perdu, je ne sais pas comment, mais personne n'a agi sur la base de ce diagnostic qui était réel. On est là ce soir pour essayer de parler à la fois effectivement avec le cœur et avec la tête. Et une nouvelle fois, merci d'être là. On sera en Israël tout à l'heure auprès de la société israélienne qui, une semaine après les attaques, continue encore de ramasser les corps, de compter ses morts et aussi d'espérer la libération de ses otages. Mais on ira aussi à Gaza pour mieux se rendre compte du drame humanitaire qui se joue sur place. Vous parliez d'une orgie d'images. On va revoir certaines de ces images parce que c'est une onde de choc mondiale qui a été provoquée par cette nouvelle page de la guerre au Proche-Orient. C'est le mix signé Alex Guetta. Les enterrements ont eu lieu dans tout le pays. Cette semaine en Israël, de nombreux parents ont enterré leurs enfants après l'attaque terroriste de samedi dernier. La détresse des uns qui fait face à celle des autres. À Gaza cette semaine, de nombreux parents ont aussi dit adieu à leurs enfants. Deux camps irréconciliables qui partagent pourtant une chose, l'horreur d'une guerre sans fin. Il y a bien sûr ces images d'unité et d'union nationale. Je appelle les managers de l'opposition à créer une gouvernement national sans condition. L'unité nationale du gouvernement, mais aussi et surtout l'unité d'un peuple qui était il y a quelques semaines encore fracturé sur des questions politiques. Ça n'existe plus, hein, la droite, la gauche, les mouvements, la politique, ça n'existe plus. Hein, c'est un pays uni. Une unité qui n'empêche pas certains Israéliens de pointer avec véhémence la responsabilité de leur gouvernement. אדוני ראש הממשלה, תצא החוצה, תלך לתקשורת ותתנצל שאלפי אנשים נרצחו במשמרת שלך, אדוני. Un avis partagé par le quotidien israélien de gauche Haaretz qui appelait cette semaine à la démission de Benjamin Netanyahou. Il y a d'abord eu les hommages et le recueillement. L'hymne israélien qui résonne à Buenos Aires, à Bruxelles ou encore ici à Paris. De l'Empire State Building à la porte de Brandebourg, en passant par la Commission européenne jusqu'à la Tour Eiffel, l'onde de choc provoquée par les attaques terroristes du Hamas a largement dépassé les frontières de Gaza. C'est important de se mobiliser ici et de voir qu'il y a des gens qui se sont mobilisés aussi ici, que ce soit des officiels ou des anonymes.
ce week-end, ce qui s'est passé, c'est horrible. On ne peut pas le qualifier, soutien en Palestine, ni l'islam. Ni l'islam. L'islam, il est contre ça. Dans les rues du monde entier, il y a aussi eu ces manifestations en soutien à la cause palestinienne. À Sheffield, en Angleterre, un homme a même escaladé la façade de la mairie avec un objectif. Retirer le drapeau israélien pour y ériger à la place le drapeau palestinien. Certaines de ces manifs ont totalement dérapé, comme ici à Sydney, où les slogans scandés sont sans équivoque. Provocation, intimidation. À New York, certains cortèges se sont croisés. L'ambiance est électrique, donnant lieu parfois à des face-à-face tendues. Une guerre et une haine qui s'exportent dans les rues, mais pas seulement. This is an ABC News special report. President Biden expected to speak on the situation in Israel in just a few moments. Oh, here's the president now. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. Si dans l'ensemble, la communauté internationale a sans hésitation condamné les crimes du Hamas, nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les actes terroristes. D'autres, en revanche, ont eu beaucoup plus de mal à trouver les mots. You can't comment about Hamas terrorists chopping off babies' heads? Yes or no, you condemn these attacks, Mr. Corbyn. Mr. Corbyn, it's a yes or no question. Condamnation, terrorisme, en France aussi, la guerre des mots bat son plein. Quelle est la définition que vous donnez du Hamas aujourd'hui? Comment? Oui, enfin oui, bon, on va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre. Voilà. Organisation terroriste ou pas? Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Vous avez un double langage. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de. Un non-dit qui a fait bondir une grande partie de la classe politique. L'Union européenne a dit très clairement que le Hamas était un groupe terroriste. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette question. Ailleurs dans le monde, on est loin de ces considérations sémantiques. Vladimir Poutine pointe, je cite, l'échec de la diplomatie américaine. En Iran, le guide suprême a lui préféré féliciter les terroristes, auteurs du massacre de samedi dernier. Ma pichani va bazouye tarahane. مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم ما به اونها افتخار میکنیم این هست Des positions diamétralement opposées et un monde plus que jamais divisé, ce qui, on ne va pas se le cacher, n'a rien de très rassurant. Mix d'Alex Guetta avec Simon Young et Claire Chambon, regardé par nos deux invités, l'historien Vincent Lemire et le journaliste Benjamin Barthes. Je disais onde de choc mondial et on a commencé à l'évoquer avant et c'est tout le paradoxe. Onde de choc mondial pour un conflit qu'on avait totalement refoulé collectivement, Benjamin Barthes. C'est... Oui, effectivement, depuis une dizaine d'années, il y a eu une invisibilisation progressive de ce conflit parce que somme toute, on considérait que c'était un conflit de basse intensité, qui faisait certes des dégâts, mais des dégâts qui étaient considérés comme gérables par les uns et par les autres. Et puis, il y a eu cette vague de normalisation entre les États arabes et Israël à l'été 2020. Le Maroc, les Émirats arabes unis, voilà, le Bahreïn, qui a donné l'impression, vu de très loin, que voilà, il y avait un espèce d'esprit de paix qui soufflait sur la région, qu'on allait stabiliser la région avec ces accords. Mais c'était une réflexion qui a accouché d'une grande confusion parce que il y avait un conflit israélo-arabe, mais ce conflit israélo-arabe depuis les accords de Camp David à la fin des années 70, ce conflit israélo-arabe était terminé un conflit israélo-palestinien. Voilà, à partir du moment où l'armée égyptienne mettait l'arme à terre,
baisser les armes, plus aucune armée arabe ne pouvait imaginer mener la guerre contre Israël. C'était terminé. Donc à partir de ce moment-là, on est rentré dans un conflit profondément israélo-palestinien avec des acteurs non étatiques de temps en temps, le Hezbollah qui se greffe à ce conflit. Mais la matrice véritablement du conflit, maintenant, elle est israélo-palestinienne. Et c'est ce moment-là, c'est ce conflit-là qui ressurgit, qui est comme une grenade dégoupillée. Ouais. Quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Lemire ? C'est le. Oui, oui. Les Palestiniens se réinvitent dans l'histoire de manière tragique, mais. Honte de choc mondial. D'abord, pour ceux qui étaient sur le terrain ou qui étaient proches du terrain, c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est pas seulement qu'on savait que le statu quo n'était pas gérable, c'est que. Il se passait en Cisjordanie, il y avait une situation de tension extrême. Plus de 250 morts palestiniens depuis le début de l'année. C'est un bilan qui n'était jamais arrivé depuis la fin de la deuxième intifada. Des tensions permanentes à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, les visites régulières de Ben-Gvir. Ministre d'extrême droite de Netanyahu. Ministre d'extrême droite du gouvernement Netanyahu. De Netanyahu. Donc, on avait aussi ce qu'on appelle des signaux faibles, mais qui n'étaient pas faibles, hein, franchement, quand on était sur place. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça n'intéressait plus beaucoup le monde. Hein, et ça, on le voyait, pas le monde, le journal. le monde fait partie des journaux qui... Mais c'est important à dire, parce que, je veux dire, qui a toujours un correspondant sur place et qui travaille. Oui, qui... c'est vrai que si c'est un curseur, beaucoup de médias ont fermé leur correspondant. C'est un sujet qui ne faisait plus beaucoup vendre et qui... Ce qu'il y a, c'est que cette cause palestinienne, elle revient sur le devant de la scène et on se dit, oui, mais à quel prix ? Et une question qui se pose, et il y a eu beaucoup de tribunes cette semaine là-dessus, c'est est-ce que cette cause ne va pas devenir indéfendable à cause des atrocités du Hamas. Est-ce que, je cite Tahar Ben Jelloun, par exemple, romancier marocain, qui disait dans Le Point, je crois, le 7 octobre, la cause palestinienne est morte, assassinée. Est-ce que c'est le risque aujourd'hui pour les Palestiniens ? Non, Tahar Ben Jelloun n'est pas porte-parole de la cause palestinienne. Non. Pas plus, j'ai entendu effectivement aussi, j'ai entendu Jean-Paul Chagnolot, je crois, qui... Oui, Jean-Paul Chagnolot, d'ailleurs, bien sûr qu'il y a, qui disait y a une, la cause y a une palestinienne blessure, risque d'être ensevelie pour longtemps sous les cendres d'actes effroyables. Voilà, il y a une blessure, il y a une tache, il y a des cendres, il y a tout ce qu'on veut. La cause reste là. Je crois que, de la même manière, pour reprendre un petit peu de recul historique, pourquoi est-ce que le monde s'est toujours intéressé à ce conflit? Sauf pendant ces 10-15 ans où il a fait semblant de l'oublier, je rappelle toujours que c'est un conflit qui a été engendré et paramétré par la communauté internationale. Depuis au moins 1917, la déclaration Balfour et le mandat de la Société des Nations. La déclaration Balfour, c'est quand le ministre anglais dit qu'il envisage favorablement l'établissement d'un État juif en terre de Palestine. Voilà, et il se trouve que c'est les Britanniques à qui on confie un mandat international, donc c'est la Société des Nations sur la Palestine. Puis c'est l'ONU qui crée l'État. Et puis 1947, vote de l'Assemblée générale de l'ONU, plan de partage. Ce que je veux dire, c'est que c'est une question internationale. C'est une question qui a été engendrée et paramétrée par... La communauté internationale. Donc, en fait, elle n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pas... Et j'entends parfois, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse beaucoup plus à ce conflit qu'au drame en Afrique, etc. C'est vrai. Et c'est peut-être injuste. Mais c'est comme ça. C'est un conflit international depuis le début, sans compter qu'en plus, c'est le berceau commun des trois monothéismes, c'est-à-dire à peu près des deux tiers de l'humanité, au passage. Sur cette question-là, Benjamin Barthe, du risque pour les Palestiniens et pour cette cause palestinienne, qu'elle soit pour très longtemps associée à ces atrocités. Oui, c'est évident que ce qui s'est passé samedi est un stigmate terrible qui va coller à la cause palestinienne et aux Palestiniens pour des décennies. Alors, on peut aussi rappeler que par le passé, il y a eu malheureusement d'autres moments extrêmement tragiques. On peut parler de la prise d'otage de Munich, on peut parler des attentats du Hamas pendant le processus de paix dans les années 90, plus près de nous. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, le Hamas ne représente pas tous les Palestiniens, loin de là. Et puis d'autre part, qu'il y a fondamentalement une situation de déni de droit, de déni de justice, qui va continuer à exister. Et qui va continuer à être porté par d'autres générations de Palestiniens. Quel que soit ce qu'on a vécu, le drame et les atrocités vécues le 7 octobre. On va y revenir sur ces... Il faut comprendre qu'il y a un agenda diplomatique
Et puis il y a un agenda des peuples. Des peuples, oui. Voilà. Vous disiez, on a longtemps cru que la diplomatie pourrait exactement régler l'agenda. On a cru que l'agenda diplomatique, c'était l'agenda médiatique, que c'était l'agenda de tout le monde. Non. Qu'on le veuille ou non, il y a une, comment dire, une colère qui est très visible dans cette région et qui va continuer à être portée. Et il y a des générations qui se suivent, qui réinventent en permanence cette colère et les formes d'expression de cette colère. Et donc, après celle-ci, il y en aura d'autres. Je veux dire, D'où la responsabilité générale, effectivement. Je vous propose de partir en Israël pour notre premier reportage Israël où nous avons passé les jours d'après. C'est-à-dire les jours d'après ces massacres, 1300 morts en quelques heures seulement. On y a rencontré une société traumatisée, évidemment, mais qui n'a pas d'autre choix que de continuer à se mobiliser dès maintenant. Philomène Rémy et Edouard Daywood nous racontent deux histoires. Ce soir, une famille de Jérusalem qui attend dans l'angoisse des nouvelles d'un fils enlevé par le Hamas lors de la fameuse rave party. Et puis, le travail éprouvant d'un secouriste à la recherche des corps dans les kibbutz du sud du pays. Je préviens ceux qui nous regardent des images et des témoignages difficiles qui peuvent heurter, on dit souvent les plus jeunes, les plus sensibles, mais qui peuvent heurter Israël, les vivants et les morts. C'est une immersion dans cette société israélienne signée donc Philomène Rémy et Edouard Daywood. Samedi matin, on a commencé à entendre des rumeurs. Il se passait quelque chose dans le sud. Peut-être des attaques terroristes, on ne savait pas trop. Au même moment, mon grand frère était en voiture et un ami l'a appelé. Il lui a dit qu'il avait vu une vidéo et qu'il avait reconnu notre autre frère, Avinatan, en train de se faire kidnapper. Il a arrêté la voiture, il a cherché la vidéo. Et il a tout de suite reconnu Avinatan. Et là, on a compris qu'Avinatan était avec sa petite amie dans ce festival. Et des terroristes de Gaza ont commencé à tirer sur tout le monde. Les gens se sont mis à courir, ils essayaient de se cacher. Avinatan a commencé à envoyer des textos à ses amis pour dire « S'il vous plaît, venez nous aider, on est cachés ici ». Ils ont passé 4 heures cachés à supplier pour qu'on vienne les aider. Regardez, ça, c'est une belle photo de lui. C'est un bon vivant. Il profite vraiment de la vie. Et en plus, il adore cuisiner. Ah, une autre photo. Ça, c'est Noah, sa petite amie. Et puis, on en a une autre. Voilà, tous les deux ensemble. And we have another one. C'est horrible de dire ça comme ça, mais on a de la chance d'avoir cette vidéo. Parce qu'on sait qu'il était vivant. On n'a plus aucune nouvelle de lui maintenant. Sois fort. We're waiting for you. On t'attend. I want to have J'ai tellement envie de te again. Serrer contre moi. And you will Et tu as toujours la vie devant toi. You're sure. Ce n'est pas le moment pour la colère. Maintenant, c'est le moment de l'action. On n'a pas le temps pour les sentiments, la colère, la tristesse. Là, on est concentré sur ce qu'on doit faire parce que chaque minute compte. La route est vraiment déserte. Les gens essaient de se déplacer le moins possible en ce moment. On est en sécurité nulle part. Mon autre frère est militaire, en mission dans le sud. Il bombarde Gaza en ce moment. Ça doit être terrible de faire ça tout en sachant que ton propre frère est là-bas, quelque part. Tu ne sais jamais où les bombes vont tomber.
Je m'appelle Nachman Lichtenstein. On va maintenant à Be'eri, Kfar Be'eri. On a retrouvé cette nuit trentaine de corps d'Israéliens qui étaient torturés et tués. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est complètement quelque chose d'autre. C'est carrément, c'est Daesh, c'est tuer pour tuer. Pour... C'était des gens qui étaient eu soif pour de sang. אני אסגור, שנייה. אני רוצה להכניס לך גם שקיות. יש לך שקיות? Ça, c'est en fait la map de tout le kibbutz. Il y en a eu des survivants, mais très peu. Est-ce qu'il paraît, qu'est-ce qu'on va, on va voir, c'est des choses affreuses. Il ne faut pas oublier que les corps sont déjà là 7 jours, 6 jours et demi. Si on n'est pas habitué, si on ne voit pas ça, c'est pas... Tu vois les voitures, comment ils sont... Faut pas s'imaginer qu'est-ce qui se passe ici. Nous, on a déjà passé ici 3-4 fois, mais on retrouve encore et encore des corps. On peut, il faut passer mètre par mètre dans, entre les arbres, dans les arbres, sur les arbres. Les gens, ils sont en couille partout. בטוח? בדקת שהם נקיים? כולם נקיים. זה קורה על קור, לא? אני לא יודע. אז מי יכול לדעת? חברים, 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 תבדוק. אנחנו לא יכולים לסכן את החבר'ה שלנו. Quand on bouge les corps, il y a des grenades qui explosent. On l'a déjà eu ici, on l'a eu au kibbutz Be'eri. Dieu merci, personne n'était blessé, mais dès qu'on a vu qu'il y a quelque chose, alors chaque corps doit être vraiment contrôlé par... C'est quand même des terroristes, comme on dit. Takshiv. Et... 509, 4 mechablim. C'est un enfant. Je pense pas que ça peut arriver nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde. On a dit never again. Mais là, ils ont refait la même chose. Ils ont refait la même chose, c'est pas pire. On retrouve un deuxième corps. Ça fait déjà une semaine comme ça. Il y en a, n'a pas fini. Demain soir, on est là. Voilà, reportage en Israël, signé Philomène Remy et Edouard Dehoud, reportage difficile. Regardé par Vincent Lemire, historien, et Benjamin Barthes, journaliste au journal Le Monde. D'abord, comment est-ce que vous recevez ce reportage? On est tous très émus, et on le disait tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, il y a le cœur et la raison, et c'est compliqué de distinguer les deux quand on regarde ça.
encore plus face à des images. On sait que les images, c'est toujours plus difficile à élaborer. Je me mets à la place des téléspectateurs qui nous regardent. Et puis là, en plus, c'est des images qui bougent, c'est du son. Enfin, voilà, on est caméra à l'épaule, on y est vraiment. Mais je pense qu'il est très, très important de les regarder en face, ces images, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, on voit Zaka. Zaka, c'est en fait... L'organisation de secouristes, c'est ça? Voilà, c'est des secouristes. Et il faut savoir que dans la tradition juive, il est très, très important. On les voit aussi quand il y a des attentats, par exemple dans les bus ou des attentats à la bombe. Ils peuvent passer parfois des heures pour aller chercher les moindres restes en fait de corps humain, parce qu'il faut absolument que le corps soit le plus complet possible quand il va être inhumé. Il ne faut pas laisser et puis le cadavre, c'est impur, hein, donc on ne doit pas laisser de morceaux de cadavre, on va dire, au-dessus de la terre. C'est pour ça qu'on va chercher même les corps démembrés entre complètement guillemets. Démembrés, même des petits morceaux. Vous voyez, quand ils hésitent parfois, c'est parce que c'est brûlé, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Donc ça, c'est très très israélien. On l'a vu après tous les attentats. Ça, c'est la première. C'est la première chose qui me vient. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut bien que les gens qui nous regardent comprennent que pour Israël, la question de la sécurité n'est pas accessoire. Cet État a été créé, et même le projet de cet État a été élaboré pour mettre en sécurité les Juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme. C'est la colonne vertébrale de l'État, et c'est même la justification du projet national. Donc, ce que je veux dire, c'est que même quand on parle d'autres attentats dans d'autres sociétés, dans d'autres pays, ils atteignent évidemment les consciences, etc. Mais en Israël, ils touchent au cœur du projet national. Et ça fait trembler le pays sur ses bases mêmes. Et donc, ça explique, et quand on regarde ces images, je terminerai là-dessus, évidemment que le désir de vengeance, ou même le besoin de vengeance, j'ai bien dit de vengeance, pas de revanche ou de réplique, on peut le comprendre sur le plan humain, on peut le ressentir. Et il faut que je pense qu'on arrive à envisager ce désir de vengeance pour essayer de trouver les moyens de le canaliser, je ne sais pas quel mot employer. Il vous inquiète ce désir de vengeance, Benjamin Barthes, aujourd'hui au sein de la société israélienne? Oui, parce que la loi du talion, c'est quelque chose qui nous condamne tous. La loi du talion, c'est la guerre perpétuelle. C'est la recette de la guerre perpétuelle. Donc, il faut trouver une manière à tout prix de sortir de cet engrenage infernal. Et alors, il y a ce secouriste qui évoque Daesh. Ouais. Et je peux comprendre que devant le travail terrible auquel il est confronté, que ce mot lui vienne... Parce que les méthodes sont les mêmes. Lui viennent, voilà. Cette fois-ci. Je peux comprendre. Et j'ai vu toutes ces vidéos. Je les ai vues les unes après les autres. Et j'ai été horrifié, comme je suis horrifié par les vidéos qui me parviennent de la bande de Gaza. Mais si on réduit ce qui s'est passé à une violence nihiliste, on se condamne à un conflit d'un siècle à nouveau. Donc, en fait, il faut comprendre que les Palestiniens qui voient ces images... Est-ce qu'ils les voient, d'ailleurs ? Oh, ils les voient, bon, alors certains ont un peu de mal Gaza, à les voir. À Gaza, ils ne les voient pas, il n'y a pas d'électricité. Mais en Cisjordanie, j'imagine qu'ils les voient. Les grands médias. Mais il faut comprendre qu'en fait, leur perception, hein, et je pense que c'est important de faire un effort pour se mettre un peu dans leurs chaussures, hein, leur perception, c'est 20 ans de négociation, ça ne marche pas. Les marches de Gaza, vous savez, l'actualité va à toute vitesse, mais il y a 5 ans, en 2018... Il y a des milliers de Palestiniens qui ont marché vers la frontière pour dénoncer ce blocus asphyxiant, aliénant. Des civils hein, qui ont marché sans armes vers la frontière pour manifester leur colère. Et il y a eu, en l'espace d'un an, parce que ces marches sont revenues semaine après semaine, il y a eu 200 morts et 7000 blessés. Et quand on dit blessés, ce sont des jeunes, la plupart du temps, qui ont été visés par des snipers israéliens avec des balles qui vont à toute vitesse et qui les laissent mutilés à vie. Donc, négociation, rien. Marche, mobilisation pacifique, rien. Il y a eu des Palestiniens qui ont également saisi la Cour pénale internationale, les instruments de la justice internationale. La CPI, qui est évidemment tributaire un peu des équilibres géopolitiques mondiaux, pour l'instant, ne s'est pas pressé de se saisir de ce dossier. Donc il y a un sentiment de désespérance et d'impasse qui est très prégnant chez les Palestiniens.
Juste un mot de la question des otages, parce qu'on voyait la première famille dont un fils ou frère est otage à Gaza. Jusqu'à maintenant, dans l'histoire israélienne, on ne laissait pas un otage. Jamais. Et on pouvait même parfois échanger 1000 prisonniers pour un otage ou pour un corps de militaire. Cette fois-ci, on parle entre 120 et 150 otages qui seraient encore dans la bande de Gaza. Et il y a un débat national en Israël. Est-ce qu'il faut les sauver ou pas? Ou est-ce qu'il faut rentrer dans Gaza quitte à perdre la vie des otages? Est-ce que ça peut fracturer la société israélienne? On a tous compris dès le samedi après-midi, 7 octobre, que ces otages changeaient complètement la donne. Parce que c'est du jamais vu, une telle quantité d'otages, parce qu'il y a des militaires, certes, mais il y a aussi des civils, des hommes et des femmes et des enfants. Parce que le gouvernement israélien est tellement friable sur le plan politique que risquer la vie d'otages militaires, c'est une chose. À la limite, ça peut, face à une opinion publique, ils ont été pris en otage avec une arme et un uniforme. Il faut les sacrifier, raison d'État. Des hommes, des femmes et des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça, effectivement, ça change tout. En même temps, on sait que l'armée israélienne avait fait sienne aussi ce qu'on appelle la fameuse doctrine Hannibal. La doctrine Hannibal, c'est que quand un soldat, justement, est capturé par l'ennemi, et qu'on a tout fait pour essayer de l'arracher, mais qu'on n'y arrive pas, et qu'il est encore à portée de fusil à lunettes, on peut l'abattre, pour qu'il ne soit pas otage. Mais là encore, c'est un soldat. Ça, c'est les lois de la guerre, d'accord? Là, on a des civils, et donc ça change tout. Et d'ailleurs, je note qu'effectivement, depuis 2-3 jours, en Israël, il y a eu des conférences de presse, et puis maintenant... J'allais dire, elles sont politisées, mais au sens noble du terme. Des familles d'otages, conférences de presse. Elles sont politisées au sens où, y compris beaucoup de groupes qui sont toujours des opposants à Netanyahou et à ses ministres pyromanes, disent non seulement vous allez commettre des crimes de guerre à Gaza, mais en plus, vous allez tuer nos femmes et nos enfants. Je veux dire, et là, donc je parle bien d'une politisation noble, je veux dire, d'essayer d'élaborer une position. Ils sont totalement minoritaires, j'ai pas besoin de le dire, mais voilà, évidemment ça change tout, et ça peut-être que ça explique aussi, entre guillemets, le délai de démarrage de cette opération terrestre qui n'en finit pas de commencer. Benjamin Barthes, je parlais de la question de la vengeance, peut-être même certains disent de la rage de la société israélienne. Et je lisais, je crois que c'est dans les échos, des jeunes qui disaient « je ne me reconnais plus », des jeunes de gauche qui manifestaient contre Netanyahou depuis 8 mois, toutes les semaines, et qui disent « avant, je me désolais de chaque victime palestinienne de Gaza, et maintenant, j'ai une réaction instinctive qui est que les Gazaouis l'ont bien mérité et qu'il faut y aller ». Est-ce que ça, vous l'entendez vous aussi parmi vos amis, l'un et l'autre? J'entends deux choses. C'est-à-dire que j'étais en contact dès le dimanche avec des membres de la gauche anticoloniale en Israël et des gens qui m'ont envoyé des voice messages absolument accablés. Je pense notamment à un ami qui était en train de faire une randonnée au Népal et qui est revenu tout de suite. Et je pense qu'il va y avoir une... Alors le mot est terriblement léger, j'en ai pas de meilleur, mais il va y avoir une gueule de bois terrible dans ce milieu-là. Et je pense que certains vont à coup sûr baisser les bras, ouais. Mais je pense que d'autres aussi vont rester fidèles aux convictions qu'ils avaient jusque-là. Ouais, je suis un petit peu plus optimiste parce que moi, tous les retours de mes amis israéliens, effectivement engagés de ce côté-là, vont tous dans le même sens et depuis le début. C'est-à-dire, on l'avait bien dit. C'est un gouvernement d'incapables, c'est un gouvernement de pyromanes, c'est un gouvernement qui voulait annexer la Cisjordanie et donc mettre toutes ses forces en Cisjordanie, quitte à dégarnir Gaza, quitte à même favoriser le Hamas. Ce qui s'est passé, dégarnir Gaza, vous racontiez dès lundi soir, on en parlait ensemble, que l'une des unités qui était censée protéger la frontière était réquisitionnée pour aller protéger des colons dans l'ordre de la Cisjordanie. Pour protéger les colons qui se livrent à des exactions terribles et qui abattent des civils palestiniens. Il y a plus de 50 civils palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie depuis samedi dernier. Donc ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan... S'ils arrivent, bien sûr qu'on peut comprendre, j'ai dit le cœur, la raison, le ventre. Si, pour ceux qui arrivent à continuer
et de pleurer et de réfléchir, leur démonstration politique n'est absolument pas remise en cause. En fait, il est même arrivé ce qu'ils avaient dit qu'il allait arriver. Sauf que c'est dans des proportions telles qu'il faut effectivement qu'ils s'accrochent à leur chaise pour tenir mais, politiquement. Mais moi, tous les retours que j'ai sont plutôt positifs. Mais c'est des gens qui étaient minoritaires de toute façon déjà avant. Donc, il ne faut pas... Voilà. On va aller du côté de la bande de Gaza, donc là où sont retenus les otages dont on parlait, qui est sous ce fief du Hamas qui a pris le contrôle du territoire depuis 2007, mais où vivent aussi plus de 2 200 000 Palestiniens pris au piège de cette riposte israélienne. Gaza, on le voit, c'est une minuscule bande de terre qui est bordée par la Méditerranée à l'ouest, par Israël au nord et à l'est, et par l'Égypte au sud, une prison à ciel ouvert, donc selon tous ceux qui connaissent Gaza, dont il est impossible de sortir et qui subit depuis une semaine des bombardements incessants qui ont déjà fait, on parle ce soir, de 2 300 morts, 1 million de déplacés et un siège total de la part d'Israël, c'est-à-dire pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité. Julie Patin, de la rédaction de En Société, nous a rejoint. Bonsoir Julie. Ce siège de Gaza, il empêche les journalistes étrangers de rentrer sur le territoire palestinien. Mais pour raconter cet enfer de Gaza, tu as pu avoir accès à des images fournies par un habitant de Gaza qui s'appelle Omar et à qui tu as dialogué toute la semaine. Ouais, Omar, il a 28 ans, il est architecte dans une grosse entreprise de Gaza. Il a aussi été fixeur par le passé, c'est-à-dire qu'il servait de guide d'interprète pour des journalistes étrangers en reportage à Gaza. Ces derniers jours, donc, on l'a contacté, on lui a demandé d'essayer de nous raconter son quotidien, s'il pouvait voilà, filmer un petit peu avec son téléphone. Ça n'a pas été facile à cause des bombardements, à cause des coupures d'électricité, mais on a réussi à recevoir quand même quelques vidéos pour nous faire ce récit de cette semaine. Ce récit, ce journal de bord dans la bande de Gaza, qui commence mardi au deuxième jour des bombardements israéliens. Je ne sais pas si vous me voyez bien. On n'a pas d'électricité ici. Ces dernières heures, les avions des forces d'occupation ont commencé à nous bombarder. Des heures très longues. On les ressent comme des journées entières. Ils bombardent tout. On est une famille de 5 personnes. Ma mère, mon père, moi et mes 2 sœurs. Les bombardements continuent. Désolé, je regarde le ciel. Je ne sais pas si vous pouvez entendre les jets et les bombes qui tombent. Tout est fermé. Tous les magasins. On a dû évacuer notre maison. On était réfugiés chez mon cousin. Aujourd'hui, je suis de retour à la maison avec ma famille pour voir à quoi ça ressemble. Et je crois que ce n'est plus habitable. La maison est vraiment très abîmée. Et là, voilà, c'est la vue d'ici. Il y a 2 jours, c'était encore un endroit prestigieux. Un très bel endroit, le quartier de Rimal. Pour être honnête, j'arrive à peine à parler. Je me sens pas du tout en sécurité. Je tremble. On ne mérite pas ça. Depuis que je suis petit, j'ai vécu énormément d'affrontements, de conflits entre les brigades palestiniennes et les forces d'occupation israéliennes. Mais la nuit de lundi à mardi, ça a été l'une des plus violentes que j'ai connu dans ma vie. I've seen in my life.
Je crois qu'il n'existe aucun mot en anglais ou en arabe pour décrire ce qu'on ressent ici. C'est un mélange de tristesse et de colère. On doit fuir l'endroit où on est réfugié, à Tel El Hawa. Ils disent qu'ils vont bombarder un immeuble entier. Un immeuble d'habitation. Tout le monde s'enfuit dans la rue. Vous voyez, les gens prennent leurs affaires et ils s'en vont. Personne ne sait ce qui va se passer. Même dans les 10 minutes qui arrivent, personne ne sait rien. Toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, on entend les bombardements. On est bombardé par la marine, par les avions, de partout. C'est impossible de s'échapper de Gaza. On n'a pas de nourriture, pas d'électricité, pas d'eau. C'est la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Je voudrais que le monde comprenne une chose. C'est qu'on est des humains ici à Gaza. On ne mérite pas ce qui nous arrive. Voilà, on vit dans un monde de destruction. Ici, c'était un hôpital. On va essayer de tout reconstruire parce qu'on mérite de vivre ici. Là, maintenant, je vous parle, vous me voyez, mais je ne sais pas si demain vous me verrez encore. Personne ne sait à Gaza s'il se réveillera le lendemain matin ou s'il sera bombardé au milieu de la nuit. Alors souhaitez-nous la sécurité. Personne ne sait à Gaza s'il se réveillera le lendemain matin, dit Omar. Julie, ces images datent de vendredi. On est dimanche soir. Est-ce que tu as eu des nouvelles d'Omar et de sa famille depuis ? Oui, en fait, Omar et sa famille, ils ont décidé de fuir la ville de Gaza. Ils ont un peu hésité, mais ils ont décidé de partir plus au sud. Ils sont maintenant dans un appartement avec une trentaine de personnes pour être plus en sécurité. Mais hier matin, en fait, ils ont été réveillés par des bombardements. Et c'est ce que dit Omar. Il nous dit qu'il vit maintenant dans la peur. Il estime que toute la bande de Gaza, dans toute cette bande de Gaza, aucun endroit n'est sûr, même pour les civils, et même dans le sud de la bande de Gaza, là où l'armée israélienne leur a demandé d'aller. Aucun endroit n'est sûr, et pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, on ne peut pas sortir de cette bande de Gaza, parce que l'Égypte, qui contrôle la frontière sud, décide pour l'instant de ne pas l'ouvrir. Non, on ne peut pas sortir de la bande de Gaza, et c'est une situation qui prévaut depuis, de manière radicale depuis 2007, depuis la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, mais de manière graduelle, en fait, depuis 1991. C'est quelque chose, je pense, important de comprendre, c'est qu'en 1991, le pouvoir israélien abroge une disposition qui permettait aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, de circuler comme ils voulaient dans l'ensemble israélo-palestinien. Ça a fonctionné pendant 20 ans, donc de 71 à 91. Et puis en 91, c'est fini. C'est-à-dire que la règle s'inverse. C'est-à-dire que plus personne ne peut circuler, sortir de Cisjordanie ou de Gaza, sauf ceux qui ont des permis. Donc à partir de ce moment-là, il y a comment dire, une nasse qui se met en place. On l'appelle le bouclage à l'époque. Et puis ça va être resserré. Et puis on arrive en 2007 avec le blocus, où là non seulement les individus ne peuvent pas circuler, mais également les biens de consommation, etc. C'est pour ça que vous avez écrit, c'était aujourd'hui ou hier, je crois qu'Israël avait créé une sorte de monstre en réalité. Oui, on peut appeler ça une cocotte minute, on peut appeler ça une bombe à retardement, on peut appeler ça un monstre. Mais effectivement, quand on a vécu des mois dans la bande de Gaza, on savait que quelque chose de terrible pouvait arriver, parce qu'il y avait une situation absolument insupportable qui était créée et qui était entretenue. Alors de temps en temps, le pouvoir israélien, et c'est je pense l'une des impasses de Netanyahou, le premier ministre israélien, c'est qu'il a cru qu'il pouvait
maintenir le chaudron gazaoui sous contrôle. Hein. C'est-à-dire que de temps en temps, on ouvrait un petit peu, on donnait des permis de sortie à des travailleurs pour aller travailler en Israël. De temps à autre, on laissait le Qatar rentrer dans la bande de Gaza, et le Qatar, avec l'approbation d'Israël et de toute la communauté internationale, donner de l'argent pour payer les salaires, pour essayer d'acheter un tout petit peu la paix sociale. Mais toujours à un autre moment, le couvercle était remis sur le chaudron. Donc tout cela était inviable à long terme. Vincent Lemire, oui. Oui. D'abord la lecture politique. Je rappelle que Smotrich, quand il était en campagne, ministre des Finances chargé de la colonisation, l'un des ministres d'extrême droite, dans le gouvernement Netanyahou, disait le Hamas est notre chance. Ça paraît très bizarre. Il disait l'autorité palestinienne est notre fardeau. Ouais. Et le Hamas est notre chance. Mais ça veut dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais par parce que lui, sa politique, c'est l'annexion de la Cisjordanie. Donc lui, sa politique, c'est d'affaiblir le plus possible l'autorité palestinienne qui tient encore à peu près la Cisjordanie. Hein, le Mahmoud Abbas, Fatah et autorité palestinienne. Et donc, comment on affaiblit l'autorité palestinienne? Avec le Hamas. Et en plus, le Hamas nous sert à gérer un conflit de basse intensité. On peut avoir du mal à comprendre. Ça veut dire quoi, renforcer le Hamas à ce moment-là? Ça veut dire discuter avec lui en sous-main? Ça veut dire accepter que l'argent du Qatar, qui est le grand financier du Hamas, puisse arriver dans la région? Ça veut dire faire en sorte que quand il y a des membres des grandes familles des dirigeants du Hamas qui ont besoin d'être soignés à l'étranger, ils sortent par Rafah ou ils sortent, au vu et au su, évidemment, des Israéliens. Le Hamas était complice d'Israël dans cette gestion d'un conflit de basse intensité à Gaza. Et ça, c'est pour... Et encore une fois, c'est Smotrich. Maintenant, je reviens... Moi, j'apprécie beaucoup la façon dont les deux sujets ont été réalisés, à la fois celui sur Berry et celui-là, parce qu'en fait, ça permet, je pense, à ceux qui nous regardent et qui n'ont pas, nos années sur place, nos expertises, etc. Et c'est bien normal. Enfin, vous êtes tous là c'est un conflit extraordinairement complexe. Donc je trouve que d'y rentrer par les humains, par des individus qui vivent ce qu'ils vivent, c'est extrêmement, extrêmement utile. Et alors, qu'est-ce qu'ils vivent? Aujourd'hui, on parle de... Donc il y a 2 300 000 habitants à Gaza. Hein, et les Israéliens ont demandé par trois fois déjà un peu plus d'un million d'habitants de Gaza City au nord, là où j'étais moi au mois de juin dernier, là où il y a toutes les universités, les hôpitaux, etc., d'aller vers le sud. Vers la frontière égyptienne. Ça n'est pas possible de déplacer un million de personnes par quatre rues qui font 15 mètres de large. Déjà, ça n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, mais les Palestiniens disent que déjà un million ont été déplacés. Oui, alors dans plusieurs sens, du nord vers le sud, il y a 400 000 à peu près. Hein, ça veut dire qu'il y en a quand même 700 000 qui restent. Ensuite, j'imagine qu'il va falloir que ceux du sud se déplacent vers le nord, parce que y a aussi des rampes de lancement et des gens du Hamas et peut-être des otages au sud. Donc en fait, cette espèce de jeu comme ça. S'il s'agit en fait à un moment de soit d'assassiner l'essentiel de la population de Gaza ou de les faire sortir vers l'Égypte, je rappelle juste que la Nakba, c'est-à-dire le premier exode palestinien en 1948, c'est 700 000 personnes. Hein, et c'est l'acte fondateur de l'exil palestinien. Là, on parle de trois fois plus, de 2 100 000. Donc, encore une fois, c'est pour que les gens qui nous regardent se rendent compte, de même que 1 200 morts civiles côté israélien, c'est l'équivalent de 12 000 morts français. C'est l'équivalent de 12 000 morts civiles en France en une matinée. Ouais. Voilà, donc ça permet de mesurer le choc ressenti. Et 2 millions de Gazaouis déplacés, c'est trois fois la Nakba de 1948. Et ce qui raconte bien l'ampleur aussi du drame historique qu'on est en train de vivre, c'est que des deux côtés, d'ailleurs, on fait référence à la même époque. Hein. 47, la Nakba pour les Palestiniens, et puis la création de l'État d'Israël en disant que c'est la menace la plus forte depuis 48. Vous vouliez ajouter, juste une chose sur ce jeu très dangereux que la droite et l'extrême droite israélienne ont joué avec le Hamas. C'est malheureusement quelque chose qui a été assez constant dans les 20 dernières années. En 2007, quelques semaines avant que le Hamas prenne le pouvoir dans la bande de Gaza, le chef des renseignements israéliens Amos Yadlin est chez l'ambassadeur américain à Tel Aviv. Et il lui dit « Israël serait heureux si le Hamas s'emparait de Gaza, car l'armée pourrait traiter alors Gaza comme un État hostile ». Comment on connaît cette citation? Parce que la conversation a été consignée dans les câbles du département d'État américain qui ont été révélés par Wikileaks quelques temps après. Donc il y a malheureusement la conscience que le Hamas
C'est l'épouvantail. Et l'épouvantail est pratique. Qui peut aussi expliquer la colère à venir d'une partie de la société israélienne contre le gouvernement de Netanyahou. La presse israélienne ne se prive pas de pointer ce point-là. Tout ça, elle le sait. Un mot avant d'accueillir Delphine Horviller et Rachid Benzine. On n'a pas beaucoup de raisons d'être optimiste ce soir et on n'en a pas entendu beaucoup d'optimisme. Et en même temps, quand on regarde l'histoire, on a parfois des bonnes surprises. 73, il y a la guerre, ce qu'on appelle la guerre du Kippour, qui est une guerre entre Israël et les armées arabes. Et 6 ans seulement après, il y a l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. 6 ans seulement, ce qui devait être hallucinant, j'imagine, à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être le cas? Ou est-ce que même cet espoir-là, vous ne l'avez pas? Rapidement, pardon. Non, c'est pas seulement qu'on est obligé d'avoir de l'espoir, c'est que là, c'est l'historien qui parle. Effectivement, il y a dans des situations où le danger est extrême, où les contradictions sont poussées à un tel niveau, il peut y avoir des bougées dans les positions des uns et des autres et des décisions plus courageuses que jamais. Ça ne veut pas dire que les jours et les semaines qui arrivent vont être terribles, il faut s'y préparer. Ouais. Ça va être l'horreur et il faut y être prêt. Mais l'ampleur du choc me donne, non pas à espérer, mais là encore une fois, c'est l'historien. Il peut y avoir des choses qui bougent, et y compris dans les tréfonds de la société israélienne, il y a des prises de conscience actuelles. Alors il va falloir dépasser la rage, il va falloir dépasser tout ça, mais l'histoire n'est pas finie. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je termine avec cette phrase de l'historien, cette référence à l'histoire. Benjamin Barthes, on continue à vous lire dans Le Monde. Merci d'être venu ce soir. Et Vincent Lemire, je renvoie à vous à votre bande dessinée sur Jérusalem, Histoire de Jérusalem, avec Christophe Gauthier, publié aux Arènes. Merci vraiment à tous les deux. Merci. C'était très précieux de vous avoir avec nous ce soir. On poursuit, nous, cette émission spéciale en s'interrogeant sur ce qui nous arrive aussi ici, chez nous, en France. Restons unis, a exhorté Emmanuel Macron à la télévision cette semaine, parce que comme à chaque fois que le Proche-Orient s'embrase, la société française est sérieusement mise au défi. Au défi de l'intolérance, au défi de l'unité, au défi de la cohésion entre les communautés qui se reconnaissent parfois dans l'un ou l'autre des protagonistes. Ceux qui vont nous rejoindre maintenant ont entamé un dialogue, il y a plusieurs années, comme un pont indispensable pour éviter de se déchirer. Aujourd'hui, ce dialogue est plus que nécessaire, mais est-il encore possible? J'accueille Delphine Horviller et Rachid Benzine sur ce plateau. Bonsoir à tous les deux. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être là, Delphine Horviller, juive, rabbin, et vous, Rachid Benzine, entre autres, bien sûr. Mais c'était pour musulman, islamologue. Bonsoir, merci d'être là, tous les deux français. J'aurais peut-être dû commencer par là. Voilà, pas que. Tous les deux français et pas que. Ouais. Tous les deux français, tous les deux viscéralement attachés à ce dialogue, un dialogue que vous avez entamé. On avait d'ailleurs parlé ensemble sur un autre plateau, entamé il y a quelques années, notamment avec un livre qui s'appelle « Des mille et une façons d'être juif ou musulman ». Et l'une des grandes questions qui se posent ces jours-ci en France, c'est: est-ce que ce dialogue est encore possible? Est-ce que nous pouvons encore continuer à « faire société », entre guillemets, dans ce genre de moments et de tragédies? Delphine Horviller, est-ce que je me trompe si je dis que ce dialogue, justement, pour vous, il est presque vital aujourd'hui? Non, vous ne vous trompez pas. Il est pour moi vital. En fait, depuis quelques jours, je prends conscience à quel point il en va de ma santé mentale et je dirais même de l'état de mon âme. On a parlé il y a un instant, je vous entendais parler avec les invités, d'être au niveau de la tête, dans une cérébralité particulière pour analyser le conflit, ou être au niveau des tripes. Moi, je dirais qu'entre les deux, entre la tête et les tripes, il y a sans doute le cœur. Il disait il faut la tête et le cœur et pas les tripes. Oui, mais voilà. Mais je pense qu'il y a aussi l'âme. Alors là, je parle qu'on soit croyant ou pas, peu importe. Je pense que pour moi, l'enjeu, moi qui ai souvent milité pour la paix au Proche-Orient, j'ai l'impression d'avoir réduit un peu la voilure aujourd'hui, d'être peut-être moins ambitieuse et de me dire que ma priorité pour l'instant, c'est de lutter contre la déshumanisation. Mmh. C'est-à-dire de me poser la question de quelle manière je ne me laisserai pas confisquer mon âme par la haine montante tout autour de lui, tout autour de nous, qui est en train de nous assassiner. Être déshumanisé, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire avoir parfois des pensées qui ne vous ressemblent pas? Ça veut dire, au cœur de cette déferlante de rage, être très vite poussé à ne plus voir l'humanité de l'autre, ou à ne plus identifier comme une espèce de groupe où finalement ne régnerait que une animalité, une barbarie. Moi, je pense que c'est extrêmement important, plus que jamais, de trouver quelles sont les alliances humaines, même quand parfois, et je tiens à le dire quand même, dans le groupe face à moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque de dénonciation, parfois d'une certaine barbarie, ou disons une prudence, pour parler avec un euphémisme, à le faire. Delphine Horviller disait dans Le Monde, c'était ce matin, que vous disiez, je suis assez pessimiste, vous disiez, je perds espoir beaucoup en ce moment. Rachid Benzine, comment est-ce que vous vous sentez, vous, ces derniers jours? Comment vous êtes ce soir?
Tout d'abord, il s'agit de dire le chagrin de ce qui se passe là-bas, du côté israélien et du côté palestinien, de tous ces massacres, de toutes ces vies qui sont perdues sous la folie des hommes. Ça, c'est la première des choses. Et du chagrin dans la manière dont le débat ici est importé, dans ce que disait Delphine, cette déshumanisation, le fait de considérer l'autre comme un objet, le fait de considérer l'autre comme un adversaire qui devient un ennemi. Et ça dit énormément de choses de notre société, à partir de son histoire. Et ça montre cette idée de la puissance, de la surpuissance, sans considérer d'abord les souffrances des uns et des autres, sans prendre en compte les peines des uns et des autres. Et la question de la vulnérabilité des êtres doit être absolument posée. C'est quoi le risque du moment? C'est que chacun, finalement, pleure les morts qui lui ressemblent le plus? Oui, et qu'on soit un peu plus enfermé encore dans des empathies sélectives où tout à coup, on a l'impression non seulement qu'on est sensible uniquement au narratif de son camp, de son côté, de son ethnie, mais en plus, on a l'impression que plus personne n'est digne de confiance parce que finalement, les gens n'ont pas su parler ou se tenir à nos côtés au moment où on en avait besoin. Et ça, c'est un péril, encore une fois, pour nos santé mentale, psychique et spirituelle, mais évidemment, c'est un péril pour notre société, pour la société française en particulier. Est-ce que c'est dur de choisir les mots qu'on utilise en ce moment, Rachid Benzine? C'est très difficile parce qu'on vous demande de faire un certain nombre de données, de postulats pour pouvoir parler. Donc le débat devient de plus en plus difficile, tout simplement parce qu'il y a des assignations identitaires. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis assigné au fait d'être musulman, avec des injonctions de parler. Parfois, je dirais, les mots ne viennent pas. La question, parfois, de la décence, c'est le silence. Et on est de plus en plus indécent pour, je dirais, assigner les gens. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on vous demande de vous désolidariser. Donc, ça veut dire qu'il y a un présupposé que vous êtes allié de l'organisation terroriste du Hamas. Et ensuite, on nous jette dans les bras, je dirais, d'entrepreneurs identitaires et communautaires qui finissent par nous étouffer. Et avec cela, vous avez quelque chose qui se joue quand même dans la société française entre les partisans, quelque part, qui se servent de ce conflit pour avancer leur agenda du choc des civilisations et d'autres qui disent simplement, on voudrait simplement avoir le temps de pleurer les morts de part et d'autre. Mais vous disiez, je ne veux pas être assigné, et en même temps, vous dites, Delphine Horvilleur, certains silences m'ont terrassé. Oui. Ça veut dire que vous attendez quand même de certaines personnes qu'elles parlent. Oui, je modérerai un tout petit peu ce que vient de dire Rachid en disant que par moment, une forme de désolidarisation est nécessaire. Moi, j'ai l'impression d'avoir exprimé tellement de fois ces dernières années une dénonciation à l'égard du gouvernement israélien. Ça me l'a souvent été reproché. J'ai souvent dénoncé la colonisation. J'ai souvent parlé de mon souci, c'est vrai, des enfants palestiniens, des mères palestiniennes, d'être empathique pour les uns et les autres simultanément. Et c'est vrai qu'après les événements de la semaine dernière, j'ai attendu une parole qui tardait à venir et qui n'est pas toujours venue, d'ailleurs. J'ai été très étonnée, je dois le dire, qu'aucun représentant palestinien français ne dénonce les actes du Hamas, parce que ça ne me semblait pas finalement si difficile à faire de dire que précisément au nom de la Palestine et de ce combat légitime pour l'autonomie, eh bien, il ne fallait pas laisser ce combat être finalement entaché et même sali par le sang, par ces criminels. Et je trouve problématique qu'il n'y ait pas eu de parole plus forte ou si peu. Vous êtes d'accord avec ça, Rachid Benzine? Il y a des moments où il faut parler, ne serait-ce que pour rassurer l'autre avec qui on vit au quotidien. Il y a ce qui se vit au quotidien, il y a les relations qui se vivent au quotidien, et il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'afficher sur Twitter ou sur autre élément. Je peux comprendre ce que demande Delphine pour être rassurée, mais il y a des amitiés, il y a des choses qui se font sur le terrain. Moi, face à ce phénomène-là, j'ai mis 3 jours pour pouvoir trouver les mots. Mais pendant ce temps-là, j'étais sur le terrain pour tenter de rassurer les uns et les autres. Et donc, c'est pour ça que, je dirais, cette démarcation entre solidarité et de solidarisation, moi, me gêne un peu, parce qu'il y a une espèce de présupposé. À la fois, je peux entendre cette empathie, le fait qu'on est un, qu'on est dans le commun, et c'est très important de revenir à cette dimension du fait que d'abord, nous sommes avant tout français. Et ça, je pense qu'il faut absolument le rappeler, parce que ces assignations, elles sont en train de rendre tout le monde fou.
Il transforme tout le monde de façon assez étrange, et pardon de l'image, en sorte de défenseur d'équipe de foot, oui. ou je devrais dire de rugby, je ne sais pas, aujourd'hui. On a l'impression que tout à coup, tout le monde se retrouve engagé dans ce combat terrible, comme si on était vraiment de façon presque grotesque, comme si on défendait une équipe et qu'on était prêt à aller très très loin dans le sacrifice de supporters qui serait le nôtre. Mais cette faille d'empathie, cette faille empathique dont parle Delphine Horvilleur, vous disiez, je suis allé sur le terrain pendant 3 jours pour essayer de rassurer. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous aussi, de la ressentir, cette faille empathique, justement? Vous savez, lorsque l'émotion prend le dessus sur la raison, les gens ne réfléchissent plus. Et on voit bien même nos politiques, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les gens au quotidien, c'est-à-dire que globalement, un certain nombre de politiques ne sont pas à la hauteur de la sérénité et du débat que nous devons avoir. Et on voit bien qu'en fait, que ce débat dans la société française charrie des choses qui sont beaucoup plus profondes et qu'il va falloir analyser même peut-être psychanalytiquement, parce que cela nous dépasse. Et toute la question, au-delà de l'empathie, au bout d'un moment, au-delà de l'émotion. La question, c'est quelles sont les actions politiques que nous allons mettre en avant. Et moi, je vois, il y a 3 types de dialogue. Le premier type de dialogue, c'est d'abord la France d'un point de vue diplomatique, en Israël et en Palestine, qu'est-ce qu'elle va proposer pour que la situation ne s'embrase pas là-bas. Et ensuite, il y a un deuxième niveau que nous devons avoir, c'est quel type de message nous lançons de l'autre côté. Et le premier message, c'est justement, nous sommes solidaires de toutes les victimes, d'où qu'elles proviennent. Et le troisième élément, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans la société française, avec, je dirais, un certain nombre de partis d'extrêmes qui jouent simplement la carte en pensant qu'il y a un vote musulman qui n'existe pas, ou un vote juif qui n'existe pas, et nous sommes otages, fondamentalement, je dirais, de problématiques qui sont en train de nous dépasser et qui sont en train de fracturer la société française. La fracture n'est pas entre musulmans et juifs, et je suis désolé d'être convoqué aujourd'hui musulman, parce que vous avez dialogué ensemble. De cela, Karim, il y a quelque chose dans la société française qui participe de cela, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le choc, c'est pas le choc des civilisations, c'est pas le choc entre Delphine et moi, parce qu'il y a une grande amitié entre les juifs et les musulmans. La ligne de démarcation, elle est entre ceux qui souhaitent nous pousser dans ce choc des civilisations et ceux qui sont tout simplement horrifiés de ce qui est en train de se passer là-bas. Oui, de ce point de vue-là, je dirais que moi aussi, je trouve que c'est un terme erroné que de parler de l'importation du conflit israélo-palestinien, parce que finalement, il n'est pas importé comme s'il n'y avait aucun problème ici et que tout à coup, certains le faisaient venir out of nowhere. Je pense qu'au contraire, il y a quelque chose qui est là, sur le terrain français, et qui va se nourrir presque comme du carburant de ce qui se passe là-bas pour faire gronder encore un peu plus des tensions. On le voit aujourd'hui, les synagogues, ma synagogue, est sous protection militaire, policière. Il y a une angoisse terrible. Il y a eu une explosion, le mot est mal choisi, mais des actes antisémites depuis 8 jours. Effectivement, qui se nourrit de ce qui se passe là-bas. Mais on le sait malheureusement, on l'a vu ces dernières années, cette montée de l'antisémitisme est à l'œuvre même quand il ne se passe pas cela au Proche-Orient. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu des amis, Delphine Horvilleur, ou d'avoir été trop déçu par des gens autour de vous? J'ai l'impression d'avoir renforcé des amitiés avec beaucoup de gens qui, ces derniers jours, se sont manifestés, des gens finalement qui ont réussi, quelle que soit leur, on va dire, leur sensibilité, leur narratif, entre guillemets, d'affiliation, qui ont réussi à faire résonner la fibre humaine en eux, en appelant, en prenant des nouvelles, etc. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a un élément chez moi de déception particulière que j'ai besoin encore de digérer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui rend chez certains cette parole si difficile quand, encore une fois, j'ai l'impression que autour de moi, on va dire, chez beaucoup de juifs qui m'appellent quotidiennement, cette critique à l'égard de la politique israélienne, à l'égard de la responsabilité d'Israël, est exprimée en bien des circonstances. J'ai parfois du mal à comprendre pourquoi, face à moi, d'autres n'ont pas cette critique. Rachid Bedine, est-ce que vous avez le sentiment parfois... J'allais presque dire de prendre des risques en affichant ce dialogue. Non, je pense qu'il faut avoir le courage de ses convictions. Et c'est très important de pouvoir afficher des amitiés qui sont indéfectibles, quoi qu'il se passe de l'autre côté. Et c'est cela, l'idée de l'amitié, c'est ça, l'idée de l'amour. Et je pense qu'avec Delphine, l'amitié ne nous empêche pas de nous dire un certain nombre de choses en termes de réalité. Vous vous engueulez parfois? On ne s'engueule pas, mais on se rend compte, pour avoir beaucoup, et on est intervenu ensemble dans des écoles, dans des prisons, dans plein d'endroits. Et en fait, on a eu une influence l'un sur l'autre. Et ça, ce qui est extraordinaire dans la rencontre, c'est que la rencontre, elle nous altère au sens littéral du terme. On
devient autre parce qu'on a rencontré des gens. Moi, j'en plaisante souvent avec Rachid, il raconte les blagues juives beaucoup mieux que moi, maintenant. Et moi, je connais des parties du Coran que je pourrais lui enseigner. Enfin, en tout cas, on en plaisante maintenant et on essaie bien sûr aussi de détendre cette atmosphère qui est si lourde. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que ces conversations qu'on devra encore avoir. Oui, Rachid. Moi, je suis un éternel optimiste. C'est pour ça que je pense qu'il faut espérer en l'homme pour ne pas désespérer des humains. Et j'ai vraiment cette idée qu'avec toute cette catastrophe, il y a ce vers, je dirais, de poésie d'Hölderlin qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». C'est-à-dire que, globalement, dans le fait d'être dans cette espérance ou le fait d'être espéré, il faut aussi pouvoir se dire que de cette catastrophe, il peut aussi venir aussi l'inattendu. L'inattendu qui ouvre d'autres perspectives parce que nous avons besoin absolument, tous ensemble, de militer aujourd'hui un appel à cesser le feu et se remettre au travail parce que nous avons une responsabilité. Et nous qui sommes français, effectivement, nous avons une identité qui est plurielle, nous pouvons avoir des sensibilités les uns et les autres, mais quelque part, ça ne doit jamais être au détriment de l'autre, de ce qu'a appelé tout à l'heure la question de la déshumanisation. Mais vous savez, la déshumanisation, elle procède par étapes, il y a le « nous » et le « eux ». Et donc, nous, on serait purs, les autres seraient impurs. Et ensuite, il y a la logique du mépris. Donc, vous avez des discours du mépris, puis vous avez tout un discours d'animalisation. Ça, c'est le dernier processus, et ensuite, l'action de la violence. Et je crois que dans la manière dont se passent les débats dans la société française, on devrait faire davantage attention à la manière dont nous nous interpellons les uns et les autres, parce que nous sommes, je dirais, ensemble, et que si nous n'arrivons pas, globalement, à dialoguer entre nous, à parler de nos dissensus, à parler de nos divergences, là où nous sommes d'accord, comment peut-on espérer que les Palestiniens et les Israéliens puissent le faire? Ouais, différencier ce qui se passe là-bas, ce qui se passe ici, c'est fondamental. Et ce sera ma dernière question. Oui, et puis moi, j'ai toujours en tête ce passage de la Bible. Je ne sais pas s'il est dans le Coran, on n'en a pas parlé ensemble, mais on va en parler juste après. Toujours l'assassinat de Abel par Caïn. Oui. En fait, dans la Bible, ça commence comme ça. Un frère tue son frère et Dieu ou une puissance supérieure se tourne vers l'assassin et lui dit « Qu'as-tu fait ?» Et l'assassin répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Je trouve que cette question-là, en fait, ce n'est pas la question qui est posée aux assassins aujourd'hui, c'est la question qui est posée à chacun d'entre nous. De quelle manière, qui que nous soyons, nous devrons être les gardiens de nos frères. Merci. Merci beaucoup d'être venus tous les deux ce soir sur ce plateau. C'était un plaisir, ce sera toujours un plaisir de vous recevoir l'un et l'autre. Merci encore. Dans un instant, c'est politique avec Thomas Snegaroff. Thomas qui va revenir avec ses invités sur une autre actualité dramatique de cette semaine, c'est l'assassinat de ce professeur à Arras, Dominique Bernard, 3 ans presque jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Thomas qui posera la question à ses invités, où en est l'état de la menace islamiste ici en France. C'est politique, c'est donc dans quelques minutes. Et moi je vous remercie et je vous retrouve dimanche prochain, 18h40, en société. Merci à vous.